crois que c'est encore Tata qui veut passer le confinement avec nous. Les haricots, bon ça fait péter. Hein. Tata Grognon est encore revenu. Ouais, non, Tata... non, je perds pas de temps avec non. toi. Oh non, la phase jumelle est revenue. Je vais pas aller bien loin avec cette tenue. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. Oh, ça y est, j'y suis. Oh là 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 là. Mais y'a personne ici ou quoi? Oh, mais qui est là encore? J'entends encore la porte claquer. J'espère que c'est pas l'une de mes demi-sœurs venue de nulle part. Ils sont tous partis? Lily Rose, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. Je viens passer le confinement avec vous. Venez ici. Je vais aller en bas quand même pour voir ce qui se passe. Parce que faut mieux prévenir que guérir. Ah, enfin débarrassé de cette tenue bizarre. Oh, bah s'ils sont pas là, je vais en profiter pour fouiller leurs armoires. Oh non, je crois que c'est encore Tata qui veut passer le confinement avec nous. Elle va au moins devoir rester 3 semaines. Là, je sais pas comment faut faire, mais on va essayer de trouver un truc parce que c'est impossible. Bon allez, je vais fermer mes rideaux, comme ça elle verra pas que je suis à l'intérieur de ma chambre parce que sinon là, je suis foutue. Allez, je vais pouvoir aller voir ici. De toute façon, il y a personne dans la maison, je vais pouvoir fermer... Oula, oula, oula. C'est pas ce que tu crois. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi que j'ai entendu là? Et puis, qu'est-ce que t'as dans les poches? C'est pas du tout ce que tu crois. Je suis allée faire des petites courses, mais je les ai fait dans ta cave. Bon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je viens juste ici pour 3 semaines, c'est pas beaucoup. 3 semaines? Oui. Mais non, tu peux pas rester 3 semaines. On n'a pas assez de nourriture pour toi. Ah bah ouais, bah c'est comme ça. Bah tes pattes, tu peux les garder. Tata pas contente. Voilà, d'ailleurs laissez un like vous. Non mais j'y crois pas, elle est allée chercher des trucs dans notre cave sans notre permission. Allez, on va faire quelques petites courses dans leur placard avant de partir. Bon, du riz, ça c'est très bon. Oh là là, des haricots. Bon ça fait péter, hein, mais bon. Allez, vite, on prend ça et on part. Oh là là, Tata très vieille. Non. C'est pas ce que tu crois encore une fois. Reste là, reste bien et ne dis rien à ton père. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais encore toi? Rien, rien. D'ailleurs à l'intérieur il y a quelques affaires à moi que j'ai pris la dernière fois que je suis passée. Allez, salutations. Hop hop hop, reviens ici là, qu'est-ce que t'as mis dans ton sac? Mais ça c'est nos cours, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas ce que tu crois, je t'ai dit, au revoir. Tu ramèneras pas ça chez toi. Mais c'est nos affaires, du riz, mais qu'est-ce que tu fais avec? Mais qu'est-ce qui se passe encore ici là? J'entends du bruit. Oh non, Tata Grognon est encore revenu. Tata Grognon, qu'est-ce que vous faites ici? Je venais faire un petit coucou à mes amis, à ma famille très adorée. Bon allez, je dois filer. Comment ça, rendre visite? Allez hop, partez d'ici. Ah bah, ils veulent pas de moi. Je vais devoir aller faire mes courses toute seule. Ah, avec les temps qui courent, ça va pas être facile. Je suis la jumelle maléfique de Lily Rose. J'ai vu que Tata Grognon était là. Je vais essayer d'être gentille avec elle pour monter un plan contre eux. Bon, allez, j'y vais. Tata! Mais t'es ma tata préférée. Mais qui es-tu? Mais tu vas faire quoi? Mais qui es-tu? T'es ma tata préférée. Mais qui es-tu? Tu vas où là? Je vais faire les courses. Oh mais tu vas pas y aller comme mais ça, je vais y aller à ta place. T'es qui? T'es Lily Rose? Je suis la jumelle de Lily Rose. La jumelle de Lily Rose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Câlin. Je vais quand même voir ce qu'il y a en bas parce qu'avec Tata Grognon, on est sûr de rien. Oui, va voir. Tu vas pas aller faire les courses dans cette tenue là quand même. Allez viens, je vais t'aider. Ouais, non, tata... non, je perds pas de temps avec non, toi, je dois aller. Pas comme ça. Oh, alors, mais pourquoi je peux pas sortir comme ça? Un chapeau. Hein? Un chapeau? Une écharpe. Mais c'est quoi tout ça? Tu vas mettre aussi des mais gants. Je vais pas mettre tout ça. Oh non, la phase jumelle est revenue. Faut que je prévienne tout le monde. Mais violet, je sais qu'il y a une maladie, il y a le virus en ce moment. Mais oui, mais tu dois te protéger, tu es une personne à risque. Oui, mais je vais pas mettre tout ça quand même. Tu vas mettre ça parce que tu adores le violet. Mais c'est quoi ce bazar? Je vais pas mettre tout ça. Également, ça. Mais ça, c'est... Oh, c'est estimable, ça. Indispensable. À tous les coups, elle va préparer un plan. J'espère qu'elle va pas demander à Tata Grognon de faire des trucs. Ah, ça. La combinaison de corps. Mais t'es qui, toi, d'ailleurs? Tu vas me dire...
Tu vas me dire qui tu es? Je suis ta tata préférée. Non, mais tu es qui? La demi-sœur de Lilou. Ouais, bien sûr, j'ai jamais entendu parler de toi. Bon, allez, ah bon, tu vas aller faire les courses, reste là, hein. Allez. Oh non, 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 il est encore en train de piéger Tata Grognon. Je sens que ça va partir en vrille dans pas longtemps. Vite, 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 faut que tu viennes, Peppa Pink. Bon, allez, je vais partir comme ça. Et toi, la jumelle, là, reste là, hein. Reste là-bas. Bon allez, je me suis débarrassée d'elle. Maintenant, je vais pouvoir aller faire mes courses tranquillement. Yes, j'ai réussi à me débarrasser de Tata Grognon. De toute façon, avec cette tenue, elle ira pas loin. Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser de Lily Rose. Ah, je vais pas aller bien loin avec cette tenue. Je vais vite rentrer. En plus, j'ai oublié mon attestation. Oula, vite, faut que je rentre. Attends, ça me paraît bizarre cette sœur jumelle. J'espère qu'elle veut pas faire du mal à Lily Rose. Bon, je vais quand même aller la prévenir. Allez. Me revoilà. Ah, oh là là, je vais vite enlever tout ça. Allez, Lily Rose, t'es là? Ah, te revoilà, toi. T'as pas quelque chose à me dire? Non, je n'ai rien vu du tout. Je sais pas de quoi tu parles. Si, justement, je devais te parler d'un truc, là, j'avais totalement oublié. Ah, tu devineras jamais qui j'ai croisé. C'était horrible! Ouais, de quel truc tu devais me parler? Ça m'intéresse d'un coup. Ah, je sais pas, c'était une sœur jumelle ou je sais pas quoi, là, avec une casquette. Elle avait l'air vraiment d'une pou pou pou. Je sais pas quoi. Bon, allez, moi je vais retourner faire les courses. Je vais devoir remplir mon attestation et je vais devoir mettre des vêtements. Oh, c'est très beau ça d'ailleurs, je vais mettre ça. Bon, allez, on y va! Ah non, t'as quelque chose à me dire, non? Oh non, encore cette sœur jumelle! J'espère qu'elle t'a rien dit sur moi! Parce qu'à tous les coups, elle voudra reprendre ma place! Ah bon, prendre ta place? Bon, allez, je vais remplir ça! Alors surtout, les amis, remplissez toujours une attestation, lavez-vous les mains toutes les heures et faites très attention, hein? Et à 20h, on applaudit les médecins et tous ceux qui travaillent! Allez, on remplit ça! Alors, mon prénom, Madame Courgette! Voilà. Alors je suis née quand déjà? Le 8 avril 1860. Bon allez, 14, je pense que c'est ça. Bon allez, c'est bon, je vais pouvoir sortir enfin. Attends, qu'est-ce que j'entends là? J'espère que la sœur jumelle ne va pas venir. Je vais profiter que Tata Grognon aille faire les courses pour la chercher. Bon allez, on va aller faire les courses. Hop, ça c'est parfait. Et hop, allez, Tata y va. Lily Rose, fais attention à toi quand même avec ce qui se passe, hein. Bon allez, j'espère qu'elle va pas me voir. Je vais profiter pour prendre un plan contre elle. J'espère qu'elle va pas me voir. Bon allez, je vais la filmer. Comme ça, je vais pouvoir la virer de sa chambre. Et comme ça, ils vont me préférer, comme d'habitude. Par contre, faut pas que Tata Grognon soit là pour tout gâcher. Parce que elle est un peu bête même. Beaucoup, elle comprend rien. Lily Rose, je suis là. Devine qui est là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu comptais tomber sur Lily Rose, hein? Mais non, elle est pas là. Je comptais venir pour vous dire un bonjour parce que vous étiez tellement sympathique avec moi. Ouais, ça va pas se passer comme ça, là. Allez, tu viens avec moi, tu te mets ici et tu ne bouges plus. Reste là, hein. Mais je vais rien faire, moi. Viens ici. Oh non, elle s'enfuit. Oh, encore une fois. J'abandonne, il se passe trop de trucs ici. Peppa Pink, j'ai toujours pas trouvé la sœur jumelle. Ouais, t'inquiète, j'ai réussi à la faire partir. T'es sûr? T'as réussi à la faire partir? Parce qu'à tous les coups, elle m'a fait un piège. Ne t'inquiète pas, elle est partie en courant. Mais par contre, est-ce que t'as des nouvelles de Tata Grognon? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle est partie faire les courses. Oh là là! Ah mon dos! Ah mon dos! J'aurais mieux fait de passer mon permis de conduire! Ah, transporter toutes ces courses à pied, j'en peux plus! Ah là là, j'ai fait plein de courses. Oh, du bon riz. J'espère qu'ils n'ont pas oublié Tata. Parce que là, ça fait au moins 3 heures que je suis partie. Oh là 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 là, catastrophe. Lily Rose, Peppa Pig. Ah, j'espère qu'ils n'ont pas eu du mal à se débarrasser de l'autre sœur jumelle. Ouf, enfin rentrée. Lily Rose, viens m'aider. Allez. Mais t'as pas de force. Non, j'ai pas de force. J'ai marché des heures et des heures. Des heures et des heures. Vite, un fauteuil. Un fauteuil. Un fauteuil. Oh là là. Une chaise, un fauteuil. Ah, n'oubliez pas de vous laver les mains. Ah, oui, c'était horrible au magasin. Il s'est passé mille un truc. Il y a des gens qui ont commencé à faire des bruits bizarres. Oh, c'est-à-dire? Catastrophe. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, encore? J'espère que je suis pas malade. Oh, mince, j'espère que je suis pas malade. Ouh là là, éloigne-toi d'ici. Peppa Pink, je crois que Tata elle est malade. Comment ça malade? Elle est revenue des courses là? Oui, 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 oui,
oui, viens voir vite. Ah, j'ai compris pourquoi je suis malade. C'est mon manteau qui me gratte. C'est un manteau en poil de chèvre des Alpes, là. Oh, oh là là, faut vraiment que je renouvelle ma garde-robe, hein. Sinon ça va être la catastrophe. Elle est là, regarde vite. Il faut pas l'approcher. Viens, on s'en va, oui, oui. Allez vite, on monte. Comment ça, malade? N'importe quoi. Bon, après s'ils partent, Tata est tranquille ici. Et tant mieux. Allez, encore à moi la maison. Donc voilà, on va passer à la bulle magique. Donc merci beaucoup à Feriel, Alison et Alicia. Donc voilà, Alicia. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye.